30 septembre 2024, dernier jour du mois de septembre, seulement 3 mois. Et je séparé Bisho, Nasuka, en Vula, Mbote, Pebe, Bola, Mounamana, Kanabino, Apona, Congo, Bokamati, Bakolanda Bisho, à travers le monde, Kimia, Namabote, Nabino, Bakongo, Badi, Nyonso, éparpillé à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, Tozara, Namboka, Mokone, Namisana, Koloba, notre mère patrie, Nabasango, Atongo, Lalelo, Tata, Mokambi, Kolo, Félix, Antoine Tshisekedi a zomi bongo na Hongrie wapi bisika ke visite d'état ya 3 jours sur invitation ya ba autorité ya kuna. Il est prévu bongo plusieurs rencontres pe ba on ya haut niveau plutôt pe ba signature ya ba accord de coopération. Donc si maya koza na États-Unis d'Amérique tata mokambi kolo azali kokoba na kolukaka ba solution pona mboka Congo na maematali bongo likametali changement ya constitution IDPS et bimina silence lobby moleki lors ya réunion monene ndeko Augustin Kabuya dit, je cite, le président ne travaille que 3 ans sur papier, c'est 5 ans et sengeli kopé ça y est plus de temps pour na ko réaliser mon salato vision na y est-ce que ça na cadre wana ndé idée à changement à constitution et c'est vendi na mesa ba politique ya mboka na biso, est-ce que c'est opportun, la question qui se pose melanga monaye Martin Fayulu m'a dit o azali bongo moko ya opposant politique ya mboka na biso a jomi libanda na mboka ba paya ye apesa ki mongongo na moko ya ba confrère na biso bisika wapi atalisa ki que c'est le trio Tshiseke di Kabila et Kagame qui détruit le Congo. Affirmation ya ndeko Martin Fayulu, est-ce vrai ou faux? Tolo belango la tongo na lelo, mais la question de justice de part et d'autre de influenceuse Bazalaki Bongo interpellé week-end Moleki, opposition Zalaki na sitting, tout ce qui est comme actualité, tout dévoilé Ango na Mwanamboka, Moko, Otozane, Atongo na Lelo, Azaya ko présenté les sous-souté, Boye bien malam, malam, Mwazali, Bongo, président et parti politique, Levons-nous et bâtissons, Azali, Bongo, coordonnateur, il y a nouvelle classe politique et Azali, Moko, Nakati. Il y a Bandeko, Bazali, Koluka, Bongo, démocratie, Namboka, Congo, Ye, Nani, Ndeko, Alain Bolojoa, on a Pessi, Mbote, Mwanamboka, Oye Bola. Mbote, Maman Nangai, Mbote, Nabalandi, en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. O Lobaki, Mikolo Mileki, Bomi Tungisa, Maki Minge, Simayabo, Bimi, ya Ndeko, Jakindala, Bisika, Api, Azaki, Abuse, Nangambo, ya il y a un bah, service, il y a un air, il y a un monde a témoigné qui ouvertement qu'il y a un Simanango et qui a un peu bon na bon. Il y a une opposition, il y a un pouvoir qui a été, si Mikolo Mileki a un qui n'est pas besoin, il y a un peu de temps la prison centrale à Makala. Mais il y a une réaction, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, on a évité ce qui. Et il y a une apporte à la responsabilité à Maloba ou à opposant Moussous Balobaka. Moi, j'avais insisté sur son arrestation parce que Naebi que nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui n'a pas eu que c'est que des quid alors naïe, maman, Nabiso, Anna, Bakangaete. Nalandi, Makamunenge et Tamboli. Mais Nazaï n'a pas mis tout, non, Nazaï n'a mis tout, Naebi, ce qui est à Nekoutawapi. Depuis quand? L'instruction au réseau Salema, na niveau ya parquet, na niveau ya ba OPJ, ba koki ko enregistré yango et puis ko diffusé. Quelle est la motivation ya publication ya vidéo oyo babandai ko poser ye ba question na kati ya bureau. Moto a publié yango intention na ezaini. Parce que moni na moi ba formation ndambo tozoa. C'est comme ça qu'on arrive à manipuler l'opinion. Il y a un collègue qui s'habille, sauf voilà, Bakangi, d'abord, autant que Baza qu'on estradé, d'après ce qu'on a vu, Balaki Sibiso Ndenge à côté na Bakano, Azakoya, Balaki Sibiso Ndenge à Zaki na bureau, Ndenge Baza qu'on posait ma question, ma filmer, ma diffuser. Mais il y a là que ça quand même, Bande qu'on a vu, sauf ma diffuser, ou Balingi, ma manipuler. Bosali, moi, ma erreur amicale d'appréciation, il y a ma. Babilo quoi diffusé. Et l'or Alibosso, maman en a lobby, bakanginga te po nan sale infraction. Bakanginga po mou konzambou ka sepelite, po mou konzambou ka siliki. A siliki na marambou ya sali,
yango bakangi. C'est-à-dire que le parquet et kangi yé te pour le fait obso tozo loba d'après elle, mais bakangi yé pour Félix Tshisekedi a sepe été. C'est-à-dire que le saut d'humeur y a Félix Tshisekedi, sa volonté à force de loi. C'est-à-dire que ce qui a sepe ne loko batiki, ce qui a sepe ne loko te bakangi. Pour nani bakangi cette fois-ci. Parce que Félix Tshisekedi a sepe la gité. Donc Félix Tshisekedi m'a livré dans ma boko à justice. Le quoi a livré dans ma boko à justice? Moi, en tant que défenseur, il y a l'égalité dans le fonctionnement de l'État. Naza ko exiger à ce que Asamba malam. Pour protéger ba droit na ye. Boya ko bi sa biso te opposition boloba ki ba kangaye. Siko ba torturer ye, siko ba violer ye, bo sepe la pose. Non, c'est pas ça. Elle doit être protégée. Elle doit avoir des garanties, il y a droit à défense. Botigaya lo ba vérité o ya yebi. Et puis sera cité Batou, beau supporter parce qu'à Bandaki déjà qu'on cité Batou. C'est ça en fait notre perception, notre manière. Il y a quoi apprécier, il y a quoi faire passer notre message par rapport à ce que nous pensons sur l'État et sur la justice. Mais n'est-ce pas là si signons fort, il y a l'égalité en termes de justice dans beaucoup d'abus. Quand on voit les opposants arrêtés, les gens du pouvoir peut au Salim Beba, Bakangi ou Batindi ou Nabolo. Non, l'arrestation n'est pas la finalité. Il y a action judiciaire. Il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été relaxés sans qu'il y ait réparation. Il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées sans être coupables. Et un exemple, Nawo Kozwa. Ndekomo, on a mon vidéo, je crois, à TV5, Monde Afrique, a sali 21 ans à prison sans être jugé. N'est-ce pas qu'il était arrêté? Mais la justice est salamité. Parce qu'il a sambité. Et puis, le fait pour lequel, mais ça y est 21 ans. Il y a d'autres personnes qui étaient arrêtées pour avoir détourné et puis libérées. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, Zali, il n'y a que ça là que la justice, que le droit soit dit. À partir de Wana, il y a un indicateur, il y a malade. Et puis, le cours des tribunaux, bala qui s'abîme, qui sont indépendants vis-à-vis à Félix Tshisekedi. Parce qu'en suivant cette dame, ils ont Félix Tshisekedi, ne m'a pas mis dans ma boca à la justice. Mais si, il faut. Si vous bateau va publier en haut, ils ont bateau, il y a besoin qui certainement ordre. Ce qui bango ba yebi ki mara mwasona lobaki ezaki mabe parce que na kati ya sal wana ezaki kana bato ya justice ce que muto a filmé a diffusé wana asa muto a justice a validé le fait que l'ordre est venu de Félix Tshisekedi. Alors pourquoi Félix Tshisekedi doit-il intimer l'ordre ya kokanga bato? L'instruction ezalaka ko bomba na solo kasi mama onde ko Denise alobi makamoni solobaki eza lokuta. Dans les cas où il y a Ouagani et que Ndeko Jakindala va s'engager dans la justice, mais ma preuve, bien au Rwanda, que le va sodomie. Comment est-ce que vous voyez l'issue il y a dossier? En tout cas, ce qui est vrai, sauf peut-être que ceux qui ont élément Moussou Sezo et Chapinga, Jakindala a des preuves sur lui. Et Zakoutou Marambouté, il a des preuves sur lui. Nanzo Tonaye, preuve ça. Mais Bobo, ça n'a pété que Jakinda à côté de l'hôpital. Il a été soigné. Biloko, soignaka, ena, ceux qui ont boungi, ça a été Zali. Parce que déjà, le fait que Ner et Katanaki, même après 10 ans, 20 ans, il a des preuves sur lui. Et ça, il y a discussion à gauche, droite. Et puis au-delà de ça, au niveau de l'hôpital et Sika Zaki, il y a éléments, il y a traitement. Batouba longwa na ba biloko ba sentiment. La gravité a ba fait au tozako lobela. Ezo senga que tout Congolais conscient a comprendre la gravité a ba fait. Batouba longwa na ba émotion. Au moment où on a remarqué, les gens veulent se justifier, ils veulent se défendre. Ne vous défendez pas devant et ba fait aussi grave. Parce que aujourd'hui c'est Jakinda. Mais il y a d'autres personnes qui seront probablement citées. Tout ça, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui sont en coucou. Il y a des gens qui sont en public. Mais ceux qui sont en public, je pouvais aussi vous citer des noms.
Azobanga pona Sony, azobanga pona danger. Parce que même la dame là, le bail que va péquer ça qui va divulguer certaines informations au risque qu'il a arrêté tout ça. Il y a Joaquin le courage à lobby à défendre qui mutango. To looki pe vidéo oh y a le bail qui a l'attaqué et l'embarras tout ça. To looki pe to zui pe vidéo ango. Pendant qu'elle disait ça, personne n'avait réagi. Où étaient les défenseurs? Il y a fait ce qu'il y a à cette époque-là. Parce que cette vidéo date. Mais de quoi j'ai dit de mon côté, il y a des gens qui n'ont pas caché à Nair, sous Félix, Tshisekedi. Il y a d'autres, des comaniques, des cobélés, qui ont témoigné que le traitement est seulement malam. Bon, en tout cas, il y a des vrais, il y a que. Beaucoup de en face d'un même, devant une même situation, mais le traitement de la situation est rendu monté. Et ça, ceux qui ont été, par exemple, devant une émission, le lingo posé la question, tant que c'est que vous avez été. Ceux qui ont été, non, moni, maman, a mis à la gentille, ceux qui ont été émission, mais vous avez dit, ah, à bloquer la question, vous avez été manière de faire ça. Vous avez appelé ça une analyse moins simple. Ndeko Manix Alobi ye ba dorlotaka ye na ane. Moi si na koye koye a 3 à 4 fois la semaine. Akoye koye a 3 fois. Po na ye ane rezali auberge ya bien. Zali a joan olo kwa, abimisa olo kwa, hôtel ya 3 étoiles. Ba li a 3 fois, moi si na koye koye, il était peinard. Mais il y a d'autres qui ont été torturés. Ye ba torturé. Pour Nazana ba élément, il y a ba déclaration à Batou. Il y a d'autres personnes qui ont été torturées pendant que Félix Tshisekedi était au pouvoir. Mais Nani Jimmy Kitenge, à la rappelle, est-ce qu'il y a la même opportunité que Mike Nani Manix Yenda? Nous avons dit que Balé déjà, il y a un cas différent. Voici les conséquences aujourd'hui sur le plan médical. Il y a deux cas et deux cas. Les athées parce que yo zaki torturé te, ndo lo bakena ane ba torturé te. Mais ceux qui torturent, n'est-ce pas là bas bah résultat topé héritage il y a système et outils au collégial et c'est quand on a bas service. So, même dans la police nationale, ceux qui montent bas c'est y a kanga. Bon, ce qui est héritage et que ça fait 6 ans que ça continue, Félix Tshisekedi ne sert à rien. Il y a des familles où nakati na bango, batunyo so bazaka pauvre. Mais Mutumura s'est décidé à dire je ne suis pas condamné à vivre comme mes parents, à comme riche. Nago pe sa vino exemple moro, matata ponyo. Papa n'a pas dit que tu es comme ça. C'était son héritage, en fait. Mais pourquoi lui est-il devenu premier ministre? On ne peut pas se contenter d'un héritage à Kabila. Kabila va aussi vous dire il a hérité, il aurait hérité de Laurent Désiré. Laurent Désiré, Kabila va vous dire il aurait hérité de Joseph Désiré Mobutu. Joseph Désiré Mobutu, il a hérité de Kassavou. Kassavou, il a hérité de Nani. Le roi des Belges, il y a roi Baudouin. Roi Baudouin, il aurait hérité de tel. Mais apparemment, tout le monde va hériter quelque chose. Mais les changements, ils ont la désirer. Au Moninga, en tant que praticien, en tant que théoricien, pardon, en matière de renseignement, parce que je suis théoricien, je m'y intéresse, je ne peux pas interdire à l'année de torturer. Moi, en tant que théoricien. Vous savez pourquoi? Parce que Bango Bazako touchait la question sur la sécurité de l'État. Mais dans leur protocole, la torture n'est pas interdite. Mais dans la Constitution, ils ont interdit. Mais pour torturer, ils ont fait Bokangi, par exemple, Moutoumouenga, ça a coup d'État, Bazako torturer pour qu'à dévoiler le secret sur les restes de la chaîne. Mais ceux qui ont gagné Moutou pour avoir fait une déclaration politique, à quoi ça servirait de torturer? Parce que la torture, c'est ça qu'on a poussé Moutou à l'oba.
ma camou pour démanteler un réseau. Mais naïe na TV na lobby, voilà Félix Tshisekedi est incompétent. Vous m'arrêtez, vous me torturez, pourquoi? Vous voulez avoir quoi d'autre en dehors de ce que j'ai dit? Tant au Bazali, na kati à service. Potobo sanate que l'ANR dépend de l'institution président. Bien que Bazali, techniquement, que dépend de la ministère intérieur. Bozui Bokangi Moutou pour avoir fait une déclaration. Parce qu'il faut d'abord comprendre le contexte de l'arrestation à Jakinda. Jakinda a été arrêté pour, pour le fait d'avoir fait une déclaration au moment où il y a une incitation à la violence et tout ça. Sambisaki. Mais avant ça, il y avait quoi? Oh, c'est lui qui aurait assassiné Kadiombo. Ces dossiers-là, Sambisaki n'a rien voté. Parce que c'était faux. C'est-à-dire que le contexte est déjà qui préparé. Et les débats, ils allaient qui lui défendait Moïse Katumbi, au Baneko, la loi des pères et des mères, Bao Balinga qui a attaqué Moïse Katumbi. Ils se sont organisés pour créer une fausse information liant Jakinda Ana, Liwa et Andegonabiso Kadiombo. Il a tenu une lettre. A lui, tu as vu, lettre. Mais son procès, ça c'est un procès de honte, de la honte. Malgré ça, il a purgé sa peine. Non, mais il a purgé sa peine parce que l'injustice, il n'a pas confiance en la justice. La justice a été manipulée pour des fins politiques. Mais aujourd'hui, il a dit, j'étais sodomisé. Et conséquence, il semblerait, ça je n'ai pas de précision, que le foyer n'a pas béba pour le fait que Kimouba n'a pas comment à Pogos. C'est ce que vous avez prévenu. Vous savez, madame, voilà, à l'oba, à Tangabakombo, et puis vous posez une question, comment est-elle arrivée à entrer dans le réseau ANER? Mais pourquoi avoir gardé secret situation en pas chez Kombenaké depuis tout ces temps? Maman Langaï, je connais une dame, elle a été violée, ma bourrelo. Ba te belé ba viola ba ngona ba université na ba école ba boya ba ngolo est-ce une obligation il faut que lo ba ngaka na ngongo ba ba ngi ba lo ba et puis même si a lo ba ki est-ce que ba ngaba yo kai ceux qui bokeyi na ba raison o yo ba sa ki demande la liberté provisoire ceux qui beaucoup ti trace y a information na bo lo ba parce que ba bazo linga ba la ki sa biso que Bango Bazaïna monopole et à connaissance, monopole à raisonnement. Et il faut se poser aussi la question, que gagnerait cette dame? Que viserait la dame en disant que l'ANR a sodomisé? D'après vous, est-ce que moi, si on a évité que Coco, c'est l'ANR, les caméras fait grave? il faut s'assumer. Et puis, Bango Bazaïna Sabino peut un jour qu'il y a des morts. Bango Bazaïna Sabino peut faire la torture. Muta kolobakeza lukuta. Mama yoso yoka na police ke muta kufa suite à torture. Boebite, Olivier Mpunga. Bobo Sanie, ces jeunes-là, bakangaka epona makamosoki ya bamapango et tout ça. Akufa na torture. Siko muto bakangake na police o ba torturate. Akolobake ba torturate. Ou bien akolobake na police ba bomate. Mais Olivier Mpunga, akufa na police. Ndeko Constant Mutamba, ministre de la Justice, a fongola ki dossier wana, to roli keke ba élément ekoza la tellement que Ndeko Denise dit ce soir a zoami déjà na bolo. Comme question ya justice, so ki foto tika la wana, cadre de concertation, bo sali sous communiqué, mon sous bozo la kaba manifestation, na ba etali bongo ba arrestation, notamment Ndeko Kset ki kuni wa koma ki na bolo ko na prison centrale ya Makala dimanche dernier. Est-ce que son dossier évolue? Dossier évolué parce que la motivation politique est zana, non? Et puis dans ces déclarations, tout ça qui va manifestation sur plusieurs points, notamment la vie chère. Tolembi passi, et là tu es pour la vie, Tolembi passi, on va pousser la population à réagir par rapport à ma condition, Rana. Torosenga pe que la justice soit faite. Sur le dossier, il y a battu de tout bazar à détenu. Net Mike Mukebay, Tilelo, il n'y a pas de procès. À Sali, plus de 16 mois en détention. Fait au bazo reproché d'après le dossier. Même qui, au niveau de la justice,
bah feu wana en réalité la peine nango est variable entre 6 à 12 mois mais il y a sali 16 mois au-delà même il y a peine tant que bako sambisa e bako condamné peut-être il y a 3 mois ou 4 mois ou 6 mois mais il y a sali autant d'années. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui ont été victimes à justice va porter justice plainte. Va porter l'État plainte parce que l'État animateur et institution ou bateau baza censé à quoi appliquer les lois ba candidats qui sont au-dessus de la loi. Comment mutawe ko sala 21 ans en prison sans être jugé. Tout moni ko tumutum so ce qui pesa à solo. Yé ba kanga été à côté de prison ko sala visite à bosa la bungisa jeton. Atika en prison pendant autant de temps. Ça ce n'est pas la justice. Tu ko senga la population à se préparer à manifester. Mécontentement par rapport à la condition de vie et même par rapport à la situation à l'Est. Et moi, je demanderais même, na cadre des concertations, d'intégrer le fait que nous devons aussi manifester contre les accords OFEIS et qui ont signé aveuglément et surtout exigence à la communauté internationale par rapport à l'application à l'accord OFEIS et qui a signé qui na Nairobi, na Luanda. Il faut tout manifester. Pour que la population... A signé quel accord? Non, Félix a signé un accord et Bélé. Bélé Makas, à Nairobi, il a signé des accords. Il y a besoin la coopération avec le Rwanda. L'accord Nyoso a signé qui est la coopération. Et Zonga, la réinsertion, il y a M23. Nakat, il y a notre pays, il y a notre société, a signé un accord et Bélé. Alors, Bissou, il faut tout le banon parce que ceux qui batouana ba zongi lissous na katia armée ba zongi na katia ya organisation sociale na biso sans être jugé ça va créer des frustrations. Donc on dit mobe comment ko ezala ki na parlement récemment pour na couper qui ça mixage pe brassage na katia armée. Non mais bato ba ça qui ont déjà ba sérieux parce que dans notre constitution il est clairement dit ceux qui bo signer accord moko en international ezali kolo ya mibeko ya mboka. Ouais ça ba za ko ngaba séduit ba faible d'esprit. Parce que la Constitution le dit, entre un accord international dûment signé ou ratifié, na une fameuse loi au bino bozina en interne, et logo eza libosu likole eza, eza accord international, eza au bino bolobite. Et voilà pourquoi la loi s'adapte aux accords, et même la fameuse Constitution au tozana ngolelo, il s'adapte à peine à l'accord. Et ça va principaux, on va supposer qu'il va passer par le législateur. Mais parlons de la Constitution. Changement ou révision de la Constitution, l'IDPS qui sort de son silence pour dire que, en réalité, Tata Mukambe Kolo a Kambarakak a 3 ans, alors que sur papier, ça a 5 ans. Augustin Kabouya a démontré en noir sur blanc. Noir sur blanc. Oui, parce que ils ont presque une année autour de Kisaka, contre-traction, genre, Koluka Moutou, Nina Kosa, Premier ministre, et Foba Alliance, tout ça. Yemoronda Kisaka qui est informateur, nous perdons plus de temps. Est-ce que c'est opportun de réviser la Constitution pour nous repérer ça? Tata Mukambe Kolo un peu plus de temps, changer même la Constitution pour qu'il y ait Sungambo Kaeba au sein de Moussa Ndenge Longoban. Bon, déjà, Batoukwa Bakabouya, Baza, Batou, il faut tout solo la masolo ya baïde na bangote. Moni, il faut tout ça à Kaefort, tout matarmo à Makam. Parce que ce qu'il dit, il réfléchit en tant que militant à IDPS. Il ne réfléchit pas en tant qu'intellectuel. Et bon, il y a qui a un maillé dans le domaine, à l'objet, il n'y a pas que lui, il y a M. Alain Atundu, ancien cadre de FCC, qui dit la même chose. Ah, heureusement, vous rappelez cadre de FCC pour nous, c'est un homme, il a plus de qualité que l'autre. Mais, et là, quand vous allez, ce n'est pas à nous de fixer l'opportunité, il y a révision à la Constitution. Ce n'est pas à nous de fixer la pertinence de la révision de la Constitution. Mais les changements à la Constitution, ils ont débat constitutionnel. La Constitution n'a pas prévu le mécanisme à changement. Quels sont les procédés de changement à la Constitution? Parce qu'un président de la République est élu au suffrage universel direct sur base de certaines dispositions de la Constitution, notamment l'article 70. L'article 72. Il y a commis président. Parce que il y a eu la constitution Zali 5 ans. Il y a eu changé la constitution, il y a fait un mandat.
La grande question, il faut te poser, Bango. Est-ce que ceux qui bandit démarche la constitution, l'élo, cette constitution va entrer en vigueur aujourd'hui? Oui, Goko est en vigueur, n'a fait un mandat, n'a débit un mandat à Moutoua. Parce que Félix Tshisekedi est lié à cette constitution. La constitution est suffisamment claire. Il n'a pas, lui, le droit de marcher à l'encontre de la constitution. Parce qu'il a prêté serment. Il a été assermenté sur fond, il y a article 74 de la constitution. C'est lui le protecteur de cette constitution. Toute initiative, il y a changement à la constitution, et longo libo konzinae. Parce que pour qu'il y ait changement à la constitution, il faut qu'il y ait abrogation ou bien il faut qu'il y ait dissolution à la constitution à Kala. C'est quoi, entre les deux constitutions, la période de soudure ou la période transitoire, là, ça va être géré par quel texte? La promulgation et la constitution à Sika, il faut que ça soit de quelle disposition de la constitution. Les débats au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que ça par rapport à quelle disposition à la constitution. Bon, ben non, vous savez, techniquement, pour que la constitution soit changée. Et puis, deuxièmement, par rapport à la compétence, vous pensez que Félix Tshisekedi est incompétent parce qu'il n'a pas assez de temps. Mais il vient de gérer 6 ans. Parce que le principe, Pédali, président de la République, a eu ça à 5 ans. Sauf que même si on a 70 ans, a eu ça à 7 ans. Mais il y a possibilité, car ça la cac à 7 ans sans avoir la probabilité à renouveler le mandat. Alors, un président qui fait un seul mandat ne fera rien parce qu'il n'a pas assez de temps. Parce que Félix Tshisekedi est toujours le bas. Alors, il y a un septennat, en fait. Il avait 5 ans. Il est en train de consommer sa première année au tout le bas dès l'entame que l'année est au Kenevé à la fin. Il y a quand même qu'il avait tout son temps. Mais au moins que Azokota n'a 7e année. Supposons qu'il avait obtenu un mandat à 7 ans et qu'il n'avait pas possibilité de renouveler. C'est-à-dire qu'il ne fera rien parce qu'il n'aura pas assez de temps. Mais pour avoir assez de temps, il faut avoir 14 ans. Mais il n'a pas géré seul. Félix Tshisekedi a géré avec le FCPR. Même si on changeait la constitution, il ne gérera pas seul. Il a géré na bande quoi, Union Sacrée. Maman, ça mais Bazaga n'a pas géré. Mais apparemment, par rapport à la configuration politique, vous avez appelé à Bango après le changement de la constitution. Parce que si Félix Tshisekedi change la constitution avec Bato FCC, les gens là resteront, non? Pas députés, ils vont constituer une majorité. Parce que le problème de Bango, c'est la confusion entre la venue du gouvernement et la tractation à venir au gouvernement. La constitution n'a pas dit il faut prendre 3 mois. Un petit exemple, il y a Kabuya. Kabuya a démontré à Félix Tshisekedi, vous m'avez confié une mission de 1 mois, à ça la mission n'est en 2 semaines. C'est Félix Tshisekedi qui l'a renvoyé encore, pour ça la plus d'un mois. Mais lui, il avait fait son rapport en 2 semaines. Si son rapport était pris en compte, probablement qu'on allait avoir le gouvernement après 2 mois. Bahati a retardé, Nani Mbosso a retardé la venue à bureau définitif. Ne dites pas que c'est la constitution. Mais puisque toujours le la constitution, pourquoi aussi ma constitution pose toujours problème? Tu es bien en 2016, comment est-ce que Batebele Bakou fait sur ce. Ah, heureusement, vous rappelez, si fait mort à bien, pour Nabango. Mais selon vous, à quel moment tu crois que le Bakeno, si tu as même pas la constitution, tu as aussi un bongis? Maman Nangaye, la constitution n'a pas interdit aux gens de réviser certaines dispositions. Comme ils allaient en 2011. Non, j'ai dit, le principe est d'aller que ce n'est pas interdit de réviser certaines dispositions. Parce que la Constitution elle-même a fixé les matières à ne pas réviser. Dans la matière à ne pas réviser, il y a des matières telles que la durée et le nombre de mandats. Qu'au changer république et comme en monarchie. La forme républicaine à gouvernement, le lien et la représentativité à gouvernement, il faut ça à Mandengue ou Ezali. Pluralisme syndical, il faut que le syndicat ait les belles. Et ça, le droit Oyo, et ça, consacré. Et je crois que c'est ça même l'identité d'une démocratie. On doit limiter le nombre de mandats, on doit limiter la durée du mandat pour faciliter la circulation de l'élite. Sur le Bino Bolingi, pour changer la matière au Yepé qui s'amène à la constitution. Mais ces matières-là,
Oye peki sa mina constitution. Et ça, ba matière auto yo kanarabiso tout ensemble. IDP c'était là. Soi bo bina biso que non, voilà, il faut tout changer. Tout ça là, tout ça na kati a constitution, le calendrier pour que tout écoute la période à venir à gouvernement. Ça, c'est une révision, ça ne sera pas les changements. Ce qui souci n'a bien d'aller que bo écoute période y a ma tractation à venir à gouvernement. Ces dispositions-là ne sont pas frappées d'immutabilité. Il y a possibilité de les changer. Ce qui bolingi bo changer question à nationalité, ça ne demande pas les changements à condition. Là, il s'agira plutôt de la révision. Et le coup, ils ont dérangé, bango, ils ont duré un mandat. Parce que c'est la seule matière que eux veulent changer la condition. Mais les autres matières, vous pouvez les changer. Pourquoi vous voulez changer à moitié? 5 ans, une fois renouvelable, selon la politique et belle, ils ont comme un moquet. Ah, donc, ils ont un problème, moi, Mingi. Eh, il y a un abyss de la carte, tant que la carte, tant que la carte, tant que la carte. Mais là, ce qu'on a au Kamwande, si Kabila a géré 18 ans, et 12 ans avec cette constitution, et que vous, aujourd'hui, vous dites que non, Azaki n'attend que vous voulez dédouaner Kabila alors. Kabila a géré le pays dans 5 ans renouvelables. Kabila le démon de la République. Kabila le Rwandais de la République. Kabila a géré ce pays avec cette constitution Ndenge Zali. C'est que Félix Tshisekedi qui avait critiqué Kabila, il a traité d'incompétent. Kabila n'a rien fait. Il a tué le pays. Mais aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir, mais Félix Tshisekedi veut changer la condition parce qu'à ce moment-là, son problème, c'est la condition. Mais Kabila travaille comme ça. Et ça, quand le coup, là, aux offres, un chauffeur, un faux chauffeur. Faux chauffeur, oui, puis on va tout gâter. Bah, l'ongolier, bah, pécio. Oh non, il faut tout changer, s'il en bloque, il faut tout changer, bande de freins, il faut tout. Mais quand lui conduisait, il y a le bail qui a un faux chauffeur. C'est quoi, il y a l'eau, il est là-bas, changer ma pièce pour que Moutou Gégo m'a bien. Donc, il y a la crise qui est yo. Mais, ça fait c'est ridicule. Hein? Est-ce, ridicule, est-ce possible de changer, de développer un pays dans 5 ans? Maman, le développement, c'est un processus cumulatif. Toute action que l'on mène dans le sens à développement, c'est le développement. Parce que le développement, il y a d'abord la transformation des structures mentales. Ceux qui, soi-disant, dirigeant la bino, va changer mais tout na bango, leur manière de raisonner. C'est ça le changement, c'est ça le développement. Quand on vous parle de développement, les gens pensent que le développement, il faut devenir comme l'Occident. Non. Le développement, c'est la transformation des structures. Et parmi la structure, il y a la structure mentale. Et la structure mentale peut être changée en une seconde. Vous pouvez faire un exemple. Ce qui n'a convaincu, c'est un début du développement. Mais maintenant, il faut qu'ils aient de manière cumulative. Ce que vous avez mbongo fait, c'est qu'il a géré en 5 ans. En réalité, sur le plan financier, dans une approche macroéconomique, c'est un développement économique. Qu'a-t-il fait de ces développements? La redistribution des richesses. Vous savez que Félix Tshisekedi a géré 50 milliards de dollars. 50 milliards. Ah, bon? Ah mais oui. Et vous savez que Mobutu gérait le pays avec des 380 millions de dollars. Bien que la valeur réelle, Yambongo, Yamobutu, Lelo, et il faut actualiser Ango, mais Mobutu a géré le Congo avec 2 345 409 km² avec moins d'un milliard de dollars. Mais aujourd'hui, nous avons des budgets au Bazar Corrupt Sabiso, il y a 17 milliards 700 millions. Mais Bota là maintenant, les conditions, la dégradation, il y a conditions de vie. Bota là, les inégalités qui existent entre la classe politique d'aujourd'hui et la classe politique d'antan. L'État construit Félix Tshisekedi. L'État ne se construit pas. Comment ça? Alors que Félix Tshisekedi a zotonga banzela, zotonga ba école, maternité gratuite. Maman. École. Maternité école, gratuite, wapi. Wapi. Pour économiser le quoi slogan, wapi. Na woye kundi mato kenena yo, ti ne sika à maternité, boye bisabiso, et sika au maternité, et za ofele, wapi. Parce que Bissot peut te mendaraper par investigation. Wapi. Le frère à médecin de Baofoutsate, ba personnel soignant Baofoutsate, mais les kits pour au bout de sa moitié, moutouye moua aux en charge. Wapi. Boutan hôpital en wapi. Pour n'ayo Félix, c'est qu'il a salé le côté dans 5 ans. Non, il n'a rien résolu comme problème.
Il n'a résolu aucun problème. Ah oui, ça, il a facilité le détournement de fonds. Comme Nicolas Cazadier et les autres, là, toute cette bande-là qu'on cite chaque jour. Il a fait quelque chose. Ce que le Bic a fait, c'est qu'il n'a rien fait. C'est faux. Il a fait quelque chose, mais en mal. Il a fait quelque chose en mal. Lui-même disait qu'il va se rattraper avec le programme à 145 territoires. Peut-il nous dire le niveau d'exécution ou la mise en œuvre de ces fameux programmes? Ils allaient en cours. Ils allaient en cours, même, maman. Par rapport à la malaise, il y a un centre d'intérêt à Yéna Kagame. Félix, c'est qu'au départ, n'avait pas ce discours-là. Et même s'il pouvait en avoir, quel est cet état sérieux qui peut soutenir un tel discours? Est-ce que ceci n'a pas eu un chantre, il y a une dénonciation ou il y a quelqu'un qui est capable de solutionner le problème? Que Félix, c'est qu'il vous dise ce qu'il vit aujourd'hui. Les actes posés par Félix, c'est qu'il était acte à haute trahison. Les gens, acte à posé, la compromission, les accords signés sans réfléchir, le contexte à Tchébisso, nous sommes aujourd'hui dans un guet-apens. Félix, c'est qu'il n'a pas d'autres issues. On lui fait pression d'exécuter les accords au Yassignaki. C'est nous, par contre, qui sommes au Boya. Ça sert à quoi d'avoir un président pleurnichard? À l'équipe à TV, à l'équipe partout. Et les Rwandais. Son message est adressé aux faibles d'esprit. Son message n'est pas adressé aux hommes sérieux. Un pays ne pleurniche pas. La question à défense et intégrité territoriale. Il faut tout d'abord être intransigeant sur cette question-là. On ne va pas demander des sanctions contre le Rwanda alors que nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à les sanctionner. On a démontré à nous de manière magistrale que c'était inconcevable de voir un pays qui prétend être agressé et laisser les frontières, Yakofungama, et l'ambassade, pays agresseur, et continuer à travailler normalement. Nous lançons quoi encore message? Lorsque j'en parlais, les gens ne voulaient pas me comprendre. Mais tant que Bitakui Ralobi, au moins, tout va remis corrélé, moi j'en ai parlé il y a bien longtemps. Mais Corozo, le Bénin Rwanda, des salaires qui sont suspendus il n'y a pas longtemps. Non, les a suspendus. C'est qu'il a signé qui n'a Rwanda en tant qu'État. Ils ont suspendu. Mais on a dit que les gens sont obligés de respecter les gens qui sont en Rwanda. Bien sûr. C'est qu'il a Yébi qui a signé les accords. C'est grave comme accusation. Mais oui, je l'ai dit, ils ont grave, effectivement, parce que la personne qui a posé ces actes a Yébi Mambalobaïté. Est-ce que vous avez dit qu'il faut faire rapatrier soi-disant réfugiés vivant au Rwanda? Pouvez-vous me brandir l'accord où il y a signé à Rwanda? Mais t'as moins, non? Mais l'accord, il y a Nairobi, l'accord, il y a Luanda, et Zali. Le Rwanda parle de 300 000 personnes. L'État congolais parle de 67 000. Le HRZO parle de 75 000. On doit croire à quel chiffre? Est-ce que Boyoka Sangote qui fait ce qu'il a autorisé qui Rwanda batunga une nouvelle cité na au plateau? Alors, qui devait habiter ces maisons-là? Est-ce que Boyoka était qui fait ce qu'il a autorisé qui na Rwanda a utilisé l'aéroport à Goma comme aéroport international du Rwanda avec Rwanda? Est-ce que l'eau ni Boyoka? Survolé, oui, mais non. Qui ont exploité notre aéroport. Même le tour de contrôle Luana Batonga Kinagoma, c'était dans quel temps, dans quel cadre? Bobi m'a fait ce qu'il y a ça en Bogota. Il y a moni batoyé mo bawe mama na loyenge.
Donc, vous soutenez le discours de Martin Fayulu qui dit que Tshisekedi Kabila et Kagame... Ben, mais pourquoi je dois soutenir le discours de Martin Fayulu? Il est opposant comme ça. Mais oui, même s'il est opposant, est-ce que ce qu'il dit, c'est ce que moi je pense? Pourquoi je dois nécessairement soutenir son discours? Qui vous dit que Martin Fayulu est loin de cette réalité? Qui vous dit que Martin Fayulu est saint? Quelle réalité? Oh, je le barana, toujours le bamba, oui, ma action, il y a traîtrise, mais oh, ça, il m'a na Congo. Mais Martin Fayulu, géré l'autre côté, comment est-ce? Non, Marouille, que géré l'autre côté, mais il peut poser des actes en faveur des ennemis sans le savoir. Qui ne sait pas que Martin Fayulu avait approché les démocrates? Qui ne sait pas que les démocrates sont derrière le Rwanda? Bissot, Ozali, la nouvelle classe politique. Tout ça n'a pas bilo, n'a pas fanatisme, était non, voilà, parce que c'est mon vieux, je dois. Non. Nous prenons la protection, la défense de l'intégrité territoriale et de la dignité congolaise. Tout celui qui va aller à gauche de cette philosophie, on le combat. C'est clair. Nous restons intransigeants sur certaines questions. Pourquoi voulez-vous que Ngana croit, n'a débattre sur des questions à Martin Fayulu, alors que Martin Fayulu a commis coumis à le fait d'avoir approché les démocrates? Ce sont les mêmes démocrates qui soutiennent le Rwanda. Et ce sont les mêmes démocrates qui soutiennent Félix Tshisekedi. Qui soutient le peuple dans ce deal-là? Je pense qu'il faut tout se ressaisir. Mais l'opposant, Martin Fayulu, comme toujours le Belaye, Azana aux États-Unis, justement, pour lancer la. Non, cette fois-ci, à Kimarambu, il y a ma conférence. Voilà. Mais avant, Kimarambu, il y a congrès, il y a ma démocrate, d'après ce qu'on nous a dit. Qu'on a lobbying pour la situation sécuritaire dans la partie Est. Qu'on a lobbying, Fayulu, qu'on a lobbying la situation dans la partie Est, c'est-à-dire convaincre l'opinion américaine qui va soutenir Bissot. Mais nous, notre problème, ce sont les démocrates. Ce sont les démocrates qui sont à la base de ce que nous avons. Parce que sur le temps, Bill Clinton a l'un des parents de Kagame. Et ceux qui ont le tableau économique, les États-Unis n'interviennent pas directement au Rwanda. Ils passent par trois pays de l'OPEP. Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis. Ce sont les mêmes parents, les mêmes personnes qui soutiennent Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi Rwandais Azaki doit exploiter l'espace Nabiso dans l'aéroport. Sur base de cet accord, l'accord qui lie Rwandais na compagnie à Qatar. Rwandais, capitale Nango, est constitué essentiellement à 49% d'apport à Qatar. Pour la différence entre Bino, est-ce que Kozamala monte que sur l'andeng de Kwazo Kanisa cohésion nationale? Comme ça, il y a une autre chose Kanisa qui s'allume bien, mais de quoi Fayulu est nango, de quoi Kabila est nango, de quoi Félix Tshisekedi pas est nango. Kabila, Kabila le dit qu'à Zana Rwanda, Baza na Rwanda na Félix Tshisekedi. Kabila wapi? Oh ya mukunzi, ya FC. Apparemment, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ceux qui boivent que Kabila c'est un traître. Pourquoi se mettre autour d'une table avec un traître pour parler de choses où il y a à poser? Pourquoi ne pas les sanctionner? Si vous dites que Félix Tshisekedi est un traître, pourquoi se mettre autour d'une table avec Félix Tshisekedi? C'est là où j'ai dit qu'il y a effectivement un problème de modèle d'analyse. Moi, je ne comprends pas comment Mouto a Salimbo Gamabe, au lobby qui a Salimbo Gamabe, Molingi Bofan d'Abo Solo. Dissocia Bakangiet, pour n'y avoir de dialogue naïte, pour dire qu'il est en liberté. Pourquoi pour les politiciens, on doit faire l'exception? C'est ça un sens, hein? Dialogue est important, c'est alors. Oui. Non, mais dialogue mini. Dialogue social, oui. Il faudrait que les employés dialoguent avec les employeurs. Par exemple, les enseignants, sont à l'État pour qu'ils réajustent leur salaire. En ce moment-là, les familles seront en paix. Il faudrait que les tribus se parlent entre elles. Pour que ça, la que, divergence est ici, là. Net, teke, na, yakaba, solo, là. Na, côté, ya province, à Chopo, solo, là. Guerre, solo, là. Yokana. Il faudrait que le chef coutumier, tout matisse à au niveau, pour que, consolider l'unité nationale. Il faut que tout facilite, transaction entre les Congolais. On doit réduire les inégalités entre la classe politique et la classe dirigée. En ce moment-là, il y aura la paix sociale. C'est ce que nous cherchons. Parce que dans la carte de la Constitution, Isaïe Lelo, Isaïe Bunda pour l'unité nationale. Mais l'unité nationale ne viendra pas. Ce qui faillit ou n'a fait, c'est qu'il va s'engager. C'est vrai qu'ils peuvent influencer le reste des Congolais. Mais ce n'est pas ça la finalité.
La finalité, c'est veiller sur le respect strict de loi. Parce que moi, tel que je suis là, et l'essentiel des Congolais, nous sommes frustrés. Nous sommes effectivement frustrés de voir des gens qui venaient, qui vivaient grâce au salaire de leurs femmes, aujourd'hui, comme multimillionnaires, alors que l'essentiel des Congolais restent dans la pauvreté. Ce n'est pas un péché de vivre dans ce salaire, madame. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. Ah! Heureusement, lui, ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Mmh. Mais aussi, mais non, l'enrichissement insolent, là, ça se justifie par rapport à quoi? Quelqu'un qui vivait grâce au salaire d'une femme. Ah oui, comme un multimillionnaire. Parce qu'on suppose qu'on a une idée sur les salaires de tout le monde. Cette question ah, est... Tozo que na suka mona mboka ndeko Alain Boloja, pour vous, pas de dialogue, pour vous, vous pensez manifester... Dialogue social. Dialogue social manifesté pour na ko senga ba droit ya batonyo sozala, ezala bongo, respecter... Mais du côté pouvoir, bazo yamba yango bien, puisque tout le monde ndeko ma Constant Mutamba, il y a sitting na bino, ezaki plutôt bien, abimi, a yoki bino, a soli na bino, a la ki ko pesa ba solution. Ouais, bato ba soli na bazaki. Abimi, probablement a équipe ko ma bobo santé, a rapé activiste, a va ko ma kabiliste. A rapé activiste, moi je l'ai connu à l'époque, il y a ba coordination, a ba étudiant na IPC, je pense. À l'époque, il était encore trop jeune. Il n'avait pas assez de... Bon, il avait des cheveux, mais là, qui est Belenet Yaleote, c'est un artiste, Abimi Ayoki, mais ce n'est pas lui le gouvernement. Ah, mais il représente le gouvernement, il est ministre au sein du gouvernement. Oui, c'est ce qui est officiel, en fait. Dans l'informel, ce n'est pas lui qui décide, et ce n'est pas ce qu'il pense qu'il va se faire. Parce que ce qu'il avait dit, dans l'échange de Sarakina, Bandeko, Bakendaki, Oya, Yaki, Ver, Bango, justement, après, tout le monde va ouvrir un procès, ouvrir un dossier. Le net, il y a arrestation à moi, sur oui. Mais il y a un autre décidé. Parce que moi, son alibi, que Kangi était pour faire, ou plutôt reprocher, mais Kangi pour faire ce qui est assilié. C'est cette dame qui a dit ça. Tout cité dans le dossier où il y a justice, ordre sur les réseaux sociaux, depuis un moment, et ça a quitté le dérapage et le ministre a fongolé quand même dossier judiciaire pour instruire le magistrat, appréhender tout le monde, interpeller le monde, soit pour se livrer à ma mère, sur ma bé sur les réseaux sociaux. Bonsoir, Dalibanda. Bonsoir, Moutangwa Dalibanda, pays. Parce que. Et là, bah, tu fais bah, ceux qui Jacinda la lelo, bah finga qui est pas moi sur na, parce qu'il a tenté de défendre ma femme et la femme de cette Kikoun. Ah bon? Bah oui. Comment ça? Un fameux porte-parole de Félix Tshisekedi. Ah comment va nyama moka kala boy? Ah comment va nyama kala? C'est ce monsieur qui a commencé. Il y a un fing à moi si nanga, il y a un menacé qui va violer Nabata force de progrès. Et c'est cette dame qui avait relayé cette information-là. Et Jacinda, là, a ébi si va un boutique à un fing à. Il y a un bon fing, Jacinda a peu à l'oubimakamboana. De ce bandai wet. C'est quoi, mouto à la union sacrée. Ou à zo défendre Félix Tshisekedi. A fini moi si nanga, a menacé nga de viol. Je dois porter plainte contre qui. Et il a dit ça au nom de Balouba. Je dois porter plainte contre qui. Son propre nom, il ne peut pas représenter tous les cas. Il y a un jour, parce que moi, dans ces cas, je porte plainte contre lui. Qui va me rendre justice dans ces cas? Oui, c'est-à-dire que bateau va me mettre en petite valeur. Mais ils sont payés. Ils sont payés. Il y a des gens qui étaient candidats ou candidates dans la carte à l'Union sacrée. Ils doivent apprendre à discipliner leurs membres. Il y a déjà parti à Wana. Vous pensez que mes enfants, ceux qui vont venir à Baba, vont finir. Ils ont faute à chef du quartier, ils ont faute à famille. Pourquoi voulez-vous rendre l'État responsable? Il y a une mauvaise éducation, il y a un parti politique. Lorsque quelqu'un a sali audio, a fini moi si nanga, personne n'a réagi. Qui a déjà vu Alain Boloja passer à la télé, s'attaquer à la femme d'un politicien? Mais moi, on insulte ma femme, on insulte mes enfants. Menace à Baron à l'école. On insulte ma maman. Alors, dites-moi, qui a souvenance dans Mbokoyo, tu as pouvoir, tu as finga, tu as politicien. Ou ça, mon nom.
les antivaleurs commencent par Félix Tshisekedi. C'est lui qui encourage ça. Alors, qui va les sanctionner? Parce que lui ne pose pas des actes visibles, mais permet à des gens d'insulter les gens et d'insulter les mais autres. Mais n'importe qui peut se réveiller à l'obi kenga dans le bureau président. Bon, on se voit moni si ko Félix Tshisekedi na mutwana ba yebani bazalaka ensemble. Ouah, c'est à Mona, l'un des proches à Kabila, fingi moi si na TV nan. Ouah, c'est à Mona, l'un des proches à Laurent Désiré Kabila, a fingi moi si na TV nan. Ouah, c'est à Mona, l'un des proches à Mobutu, à Kasavubu, a fingi moi si na TV. Parce que chez nous, les Africains, la femme a la sacrée. Mais moi, on peut insulter ma femme facilement. Vous pensez que moi, je n'ai rien à dire contre ma Denise? Et c'est déjà Bouyou Kangana Liki na TV na lobby. Parce que je sais que c'est la femme de l'autre, ça n'a rien à voir avec la politique. Mais chez nous, on insulte nos femmes. On les menace. Ma pessi même adresse en Nagounanga, ma lobby qui va ouya, ko bouka, pe ko violer moi sinanga. Bato bazo il est banal. C'est pour ça que Jacquinda là a connaître les problèmes. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Porter plainte contre qui? Contre ces gens-là. Mais pourquoi? Parce que Naïbi qui va aux années peut toucher l'été. Il est aux États-Unis, non? D'après ce qu'on m'a dit. Alors, qui a conscientisé? Afinga Mabunda. Bafinga a battu tout. Félix Tshisekedi a amené l'immoralité dans la gouvernance. Parce qu'il est mal entouré. Mauvaise mers, Otozo, le BAO et Zouamiti, Naba réseau, notamment réseau, il y a TikTok. Il y a une des influenceuses qui a été interpellée pour ça. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi? Ma finga, Nyon Soana et Amabe. Oh, elle est la seule. Bokangé Poen. Elle est la seule. Elle est la plus dangereuse. Mais il faut commencer quelque part. Ah, il faut commencer par elle. C'est-à-dire que vos yeux le voient à Kobaye. Commencez d'abord par ceux qui insultent les gens chaque jour au nom du pouvoir. Commencez par là. On a des grands dossiers. Bah, problème est à Minene. Bon, moi, qui débat à Congo Lelo, il y a Rotala, cette femme-là que je ne soutiens pas par ailleurs. Il y a des faits plus graves que ça. Il y a des faits plus graves que ça. Ceux qui vont kangé pour des raisons pédagogiques. Pour la recadrer, je comprendrai. Mais il faut abîmer Bobby Missier. Attends, une semaine ou deux jours après, Bobby Missier. Et puis je me pose la question, qui est le plaignant? Qui a porté plainte contre elle? Il y a quand même des insultes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce que fait, ce qu'elle nous a amené. Quel est le rapport entre ce que Maria Toumba et Félix Tshisekedi? Non, il y a un lien. Lorsque le président lui-même commence à insulter les gens à la télé, et comme il culture, vous remarquez que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, ben insulte est commis facile. Et commis vraiment facile. On a vécu dans ces pays. C'est pratique les Zaka rares. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux payent avant Félix Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Maman, on a tout appris à sérieux. Yo, il faut attendre sur Botamé en Amboko. Est-ce que ben insulte est Zaka Bouika? Banyangalakata. Bandoki. Ah. On va dupliquer. Et puis, tous ceux qui insultent, l'essentiel est à Bato, à Fingak. Baka, à Bato, à Outa, à côté, à Rassope, à Tshisekediste. Ce n'est pas normal. Nous nous condamnons, Tolingi, Mboka na Bisso, et à Mboka ba valeur. Alain Bolodjoa, Nazara toujours na difficulté, yako le garanté. Même si une femme pose un acte, na sepe na ngote, na salaka effort toujours à quoi aménager ba mot, parce que na yebi que en elle, il y a quelque chose de sacré. La capacité à conception. Ponanga, moi, c'est un être extraordinaire. Abomba batu nakata mabumu. Je n'ai jamais manqué du respect à ma maman. Je me force à respecter ma femme et mes filles, et toutes mes soeurs. Je ne peux jamais passer à la télé et insulter une femme. Jamais. Mais bango, on a facilité au salamo. Ce n'est pas normal. Et Félix Tshisekedi ne dit mot. Azo, c'est pelanango. Voilà, dinosaure, combat garçon. Voilà qui est combat garçon au dinosaure. Ouais, menace avec moi sinon. Non, mais il menace tout le monde apparemment. Il menace tout le monde. C'est quoi le loyo comme ça? Il a quelle fonction? Il est communicateur de Félix Tshisekedi. Communicateur privé. On a évité ceux qui ont une ordonnance ou bien un acte à partie. Et le résultat surprenant, Mouto a pouvoir, Azo Finganga a parti aux États-Unis, Azo menacé de mort à partir à Kinshasa. Eh, mon père, vous avez dit, Nathan. Moi, je vous combats ici, à Kinshasa. Yo, Mouto a pouvoir, au Kobo Ngunda pour Finga à Batina Moussika.
Et si vous ne combattez pas ces choses, vous êtes un pays namabe. Vous avez maintenant imaginé, chaque fois, finga aka na chuluba. Et puis, finga tout le monde. Et puis, ma ponanga, ce que j'ai compris, c'est la culture nabango. Ce que j'ai compris, maman, c'est la culture nabango, ils n'ont aucun respect pour les femmes. Alors, les autres qui ne sont pas d'accord, condamnés. Parce qu'il ne dit mon consent. N'a pas mon tout. N'a pas ma kilat. Et puis n'a pas mon go. C'est la fin de l'émission. On découvre. N'a pas mon go. Faut pas que je me pose à un nègre dans la mon go. N'a pas besoin d'un peu d'un état empirique. Mais le combat n'est pas personnel. Il y a beaucoup plus qu'il n'y a pas idée. Maman, si vous violentez ma femme, je vous violente. Hein. Si vous violentez ma femme, je vous violente. Hein. En ce moment-là, l'État où il y a réagi, il y a un bandit. D'où? D'où? Il faut pour recadrer les militants. Il y a Constant Moutamba qui a réorganisé les réseaux sociaux. Il a quel instrument? Le roi peut-être il va commencer à menacer ceux qui vivent ici. Il va vivre à Libanda. Il va commencer à interpeller ceux qui ont été aussi quand même à Libanda. Oui, mais si vous avez tant avant d'avoir interpellé, ah ben non, vous interpellez, vous avez des pèses. Bah, finga ma bunda, président de l'Assemblée nationale, bah, finga devant tout le monde. Même ma partie intime, bah, le bas, moutouana, bah, kanaye. Aux autres, on a dit, bah, on ne va même mis, bah, ensuite. La politique, là, c'est comme il y a noblesse. La politique est comme pourriture. Aucune vertu, aucune valeur. Qui a déjà vu Alain Bologna insulter Félix? Vous pensez que Nazangi va mourir au lobe. Mais la mesure a toujours mal au bananga. Parce que je sais que c'est un humain. À peine à limite, il y a tolérance. Mais pourquoi Bino Bogo ça en côté? Et puis depuis tout Fanda, Mbala Liboso, tout le monde n'a pas dirigeant impoli. Ils ont pas dirigeant. Ils sont impolis. Non, mais les dirigeants, ils sont impolis. Bah, militants, bah, sympathisants, ah, quelqu'un qui s'est réveillé. Ils sont de quelle classe? À s'autoproclamer que je suis communicateur du chef de l'État. Tout le monde peut le faire. Comment non, non, dans, non, non. Usurpation à qualité, usurpation à fonction. Il faudrait que la présidence réagisse. Bah, ça, non. Mais à coup, on a une délégation, on a une délégation. Tout l'accès, on a une photo. Émission ici d'Indéko Alain Bologna. Va changer. Votre monde de la femme par rapport à ça. Il faut que nous ayons des gens bien éduqués à la tête des institutions. Il faudrait que tu imprimes un système de valeurs pour que nous n'influençons pas en mal l'éducation à Banabis. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Alain Bologna. Je rappelle que Zali Bongo, coordonnateur, il y a une nouvelle classe politique, puis président du parti politique, levons-nous et bâtissons. Zali opposant, puis mon corps, il y a Bayo Bassana 4 à 4 de concertation, il y a opposition, puis société civile. Merci, Nabino Bolandi Bisso. Partout à travers le monde, Tokutani Lobby, Naba invité, moi, je soumets toujours. Avec le même plaisir, tout l'inga Congo, tout bâti la Congo, puis tout tonga, école la biso. Amen.